imaginé au début de la compétition automobile jusqu'où l'amour de la vitesse et de la course allait se propager. De Brands Hatch à Jerez, en passant par Valence, le Grand Prix d'Europe a voyagé dans le continent tout entier. Aujourd'hui, découvrons cette nouvelle destination ici, sur les bords de la mer Caspienne. Avec ses 20 virages et sa longueur de 5,9 km, le circuit de Bakou, au cœur de la capitale de l'Azerbaïdjan, mettra à l'épreuve l'endurance, la patience et la précision des pilotes. Les virages à 90 degrés du secteur 1 débouchent sur une ligne droite étroite en côte, juste avant d'entamer le tour de la vieille ville. Ensuite, plein pot pendant 2,2 km dans le secteur 3 jusqu'à la ligne d'arrivée. Nicolas Martin est à mes côtés aujourd'hui pour commenter une course quelque peu différente. Le tracé est plutôt rapide pour un circuit urbain, non? Croyez-vous que cela pourrait réserver quelques surprises? Eh bien, tant que les écuries calment un peu le jeu, je ne pense pas qu'il y aura de problème du point de vue technique. Je m'attends cependant à ce que la piste soit relativement glissante, car il n'y a pas eu beaucoup de dépôts de gomme. Tous les circuits urbains sont pleins de pièges, donc je pense que nous allons voir quelques erreurs. La meilleure stratégie serait d'attendre la sortie de la voiture de sécurité, surtout au début, quand le peloton est compact. Si on continue à ce niveau de performance, tu vas bientôt être promu pilote numéro 1. Il nous faut un bon résultat aujourd'hui. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole, suivi de Sebastian Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Rosberg et une Haas, Kimi Raikkonen et Grosjean, Ricciardo, Massa, Perez et Daniil Kvyat, Hülkenberg, Button, Fernando Alonso et Verlaine, Nasser, Sainz, Rio, Arianto et Valtteri Bottas, Verstappen et Ericsson, Julian Palmer et pour finir, Kevin Magnussen en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Allez, salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur le Grand Prix de Bakou, Grand Prix d'Europe cette année, petite nouveauté. Et donc on est sur la grille de départ et je vais aller rejoindre de ce pas notre ami Cyril qui va donc être notre guide pendant toute cette course. Et donc je rejoins notre ami Cyril, donc Cyril, salut. Bonsoir Angel. Et donc je suis déjà en record hein, au cas où tu te posais la question. Donc on est sur la grille de départ, on va effectuer on va mettre la stratégie en place. Oui. Alors on part avec les super soft. Oui. Oui, on démarre avec les super soft. Donc et en termes de durée de vie, tu me disais 9 tours pour les super soft, 11 pour les soft et 18 pour les médiums, mais de toute façon ceux-là on les utilisera pas. Donc c'est pas le problème ça. Voilà, donc là du coup en stratégie on me propose deux options, soit super soft médium, soit super soft soft. Je pense qu'on peut peut-être se servir de la deuxième, mais en inversant un petit peu les soft et les super soft dans le deuxième relais. Je crois que si t'es d'accord. Moi, je pensais plutôt à démarrer en soft, à mettre un train de super soft. On démarre en super soft, pardon. Je me mélange les pinceaux. Donc, je disais je pensais justement à mettre à la fin du premier relais des soft, et puis pour le dernier relais de la course, mettre des super soft à nouveau. Pour que tu puisses terminer la course en boulet de canon avec des super soft et un réservoir allégé. Voilà, donc en fait c'est là ce que je suis en train de mettre en place. Alors il faut juste que je me trompe pas de bouton. Voilà, on va décaler donc l'arrêt. Alors il me propose un arrêt au 6e puis au 18e tour. Ouais. Tu peux faire ça, mais sachant que pour les super soft, si ils peuvent durer jusqu'au 9e tour, à ce moment-là, on peut rallonger le premier relais. Ouais, bah écoute, on va voir ça. À ce moment-là, il faudra juste me tenir informé de l'état de tes pneus au fur et à mesure de ce relais. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, on va partir là-dessus. Hop. Et donc on avisera ensuite pour
selon l'évolution de la course. Donc allez, on est parti avec cette stratégie-là, donc super soft, soft, super soft. Et on va commencer la course avec le tour de formation. Ouais, et puis à mettre bien entendu les pneus et les freins à température. Et puis à faire aussi attention parce que pour toi c'est un circuit que tu connais absolument pas, donc il faut être très précautionneux, notamment au niveau des points de freinage. C'est pour ça que sur cette course là il y aura la trajectoire idéale, parce que ben voilà, je suis encore en phase d'apprentissage. Oui, c'est une petite exception ou une petite entorse à la règle, mais on la reverra pas sur les autres grands prix de la saison, puisque ce sont des circuits, les autres circuits on les connaît tous à peu près bien, donc voilà. Exactement. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire, oui, il y a eu pas mal de commentaires hein, par rapport aux qualifications, notamment sur le fait que je me sois hissé à la quatrième place vis-à-vis de la difficulté du jeu. Alors bon, j'ai eu de la chance hein, c'est vrai que de réussir à faire un chrono qui me permette de partir à la quatrième place, c'est indéniable. Je suis assez d'accord sur le fait que peut-être que la difficulté est peut-être voire à être augmentée. Néanmoins, la deuxième A, ça fait sixième, hein, faut pas l'oublier. Il est aussi possible que ça soit dû au fait qu'on ait apporté pas mal d'améliorations depuis le Canada avec le carburant et le moteur, que notre voiture elle a eu un regain de compétitivité qui s'est pas vu au Canada. Qui se voit seulement maintenant. Donc un tour qui est relativement long. Donc là on arrive dans la dernière partie avec la grande ligne droite hein, pour la mise en fin de mise en grille. Et attention au secteur des virages 8 à 11 avec ce fameux coup de gorge là qui risque de faire plus d'une victime. On verra, si on a de la chance, on prendra un petit safety car au départ. Ouais, en espérant qu'on ne fasse pas partie des victimes du coup de gorge. J'espère aussi. Allez, les voitures se mettent en place sur la grille. Attention, prudence, Angel au départ. Allez, on est sur le départ, les feux s'allument, et c'est parti. Très bon envol de Vettel. Touchette ici avec Hamilton, mais rien de méchant. Avertissement. Non, ça va. Ce qui s'est passé au départ, donc on va voir l'envol que l'on a pris, on s'est pas trop mal élancé, et au premier virage on a freiné vraiment tardivement, on est allé un petit peu s'appuyer sur la voiture d'Hamilton hein. Bon bah voilà, il n'y a pas eu de dégâts heureusement, mais c'est vrai qu'on est allé un petit peu s'appuyer sur la voiture du Britannique, et ici ça a été chaud aussi hein. Hamilton il a bien laissé la place pour qu'on évite de s'encadrer, et derrière ça a été un petit peu l'entonnoir et on a réussi à prendre l'avantage sur le pilote britannique. Retour au direct et la poursuite de Vettel. Et une petite touchette ici contre le muret, avec le poids de la voiture je me suis fait un petit peu piéger. Mais rien de bien méchant, on peut continuer, c'est pas trop gênant sur la conduite de la voiture, mais c'est sûr que ça va accentuer l'usure des pneus, surtout sur l'avant droit. Romain est hors course. Voiture de sécurité virtuelle. Ok.
Fais-moi un point sur tes pneus, s'il te plaît. Alors, 28 à l'avant gauche, 35 à l'avant droite, 32 et 32 à l'arrière. Ok, et on est à quel tour ? Le quatrième tour. Donc on va stopper à la fin du huitième, encore 4 tours de plus, et on passera... Alors qu'on revoit un incident avec Grosjean qui s'est d'abord fait un petit peu harponner, enfin qui est allé tout droit hein, dans la petite ruelle devant l'ancienne de la vieille ville, et qui s'est fait harponner par la Force India dans la grande ligne droite et qui a entraîné derrière une grande collision. Alors Virtual Safety Car, pour moi c'est un peu léger, je pense qu'une une vraie Safety Car aurait mérité de sortir en piste. En tout cas ça a permis, en tout cas au défi des coéquipiers, de prendre un sérieux avantage avec l'abandon de Grosjean, mais c'est des points en moins à la fin de la course, ça c'est certain. Du coup on reprend la course et drapeau vert, et on se relance à l'assaut de Vettel. Alonso qui a tapé le mur, apparemment il est en difficulté. Oui, donc Alonso hein, qui a eu un petit problème avec sa monoplace, est-ce que c'est une conséquence de l'accrochage, parce qu'il était incriminé dans l'accrochage avec Grosjean dans le tour précédent, je ne sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour le pilote espagnol ça a été un peu compliqué. Hamilton qui pose une attaque ici avec le DRS et qui passe, on lutte même pas, c'est pas la peine. Hamilton vient de passer. Ok, donc tu laisses couler avec lui. On a déjà eu une explication au départ, on va peut-être pas en rajouter. Et on est dans le tour 8 maintenant et on rentre dans les stands pour aller effectuer notre premier arrêt. Et on est imité par Raikkonen et Bottas. Ainsi que Ricardo. Alors on a fait l'arrêt au stand, ça s'est bien passé, on est ressorti à la cinquième passe. On est entre les deux Williams. T'es ressorti combien là ? Cinquième. Ok, et t'es en soft là ? Ouais. On devra stopper à la fin du 19ème et remettre les super softs. Pas de chance de pluie pour l'instant, on fera signe s'il y a du changement. Réfléchis à une autre stratégie, tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial?
Et entre-temps, Rosberg a fait son arrêt au stand et je suis ressorti, enfin il est ressorti juste devant nous de son arrêt. Hein, donc très bonne stratégie de la part de Mercedes hein, qui a réussi à gagner une place finalement. On a été plus lent effectivement avec notre petit handicap de l'aileron avant, ça nous a un petit peu retardé. Et du coup Rosberg a fait le rush hein, sur son tour de rentrée au stand, sur ces quelques tours qu'il y a eu entre les deux, il y a eu deux tours. Hein, et du coup il a permis de ressortir devant nous. Warline hors course. Et Warline, Jack a fait le moteur virtuel. Et voiture de sécurité virtuelle, ouais. J'en préfère une vraie, mais bon. Essayer de rester à portée de tir de Rosberg pour essayer de le surprendre à la relance. Il y a la relance et du coup on est un petit peu avantagé là sur ce coup là, en plus on a le DRS, on s'est mieux relancé que Rosberg et on le passe sans difficulté parce qu'on était mieux lancé que lui. Et donc on a réussi à prendre l'avantage sur le pilote de la Mercedes qui nous monte à la 4ème place pour l'instant. Et là je me loupe un peu large. Et au 12ème tour, hein, donc 2ème zone de DRS. Et là, Rosberg arrive avec le DRS ouvert et il nous passe sans difficulté. Donc il nous rend la monnaie de notre pièce, ce qui est logique. Tour 16 maintenant et le groupe qui était derrière revient, le groupe Massa Raikkonen, et d'ailleurs il tente une attaque, les trois loustiques. Il y a une Toro Rosso dans l'énoncé et j'arrive à résister à cette troupe. Et au 19ème tour je vais rentrer au stand et là je suis un peu embêté parce que tout le monde m'attaque de toutes parts et il faut que je rentre au stand. Et heureusement j'ai réussi à me faufiler entre les deux Williams sans encadrer Raikkonen, ça n'a pas été évident. Et j'effectue mon deuxième arrêt au stand pour aller chausser les pneus super soft pour un dernier donc, run au stand. Et qui devrait bien se passer à fond. Curseur combien là? Alors je vais te dire ça, Ricardo qui est abandonné. Et donc on ressort à la 9ème place, 10ème, coup d'à coup avec Perez. 6ème, ok. 10ème. 10ème, pardon. Checo est devant toi. Alors pas de dépassement ici, parce qu'il y a un drapeau jaune par rapport à l'abandon de Ricciardo hein, sur pas de moteur aussi devant nous, Checo. Il est en quelle gomme là? Il est en médium. Ah si tu peux le passer le plus rapidement possible, ça serait bien.
freinage, on passe le pilote mexicain un petit peu à l'emporte-pièce aussi, un petit peu comme sur Hamilton tout à l'heure, mais sans la touchette. Ça a été un petit peu au forceps, mais c'est passé. Et Checo va tenter de nous repasser ici avec le DRS. Mais on va décroiser. Et on garde l'avantage. Les pneus avant ont dû morfler à cause de la perte d'une partie de son aileron. Ouais. Et donc on se retrouve au tour 25 maintenant, avant dernier tour. En rajoutant de la puce dessus. Et donc maintenant on est à la 8ème place et on est menacé par Sainz, hein, qui est revenu dans nos échappements. Et bon, bah on a des problèmes toujours avec la tenue de route par rapport à notre aileron avant qui est abîmé. Alors ça a été un choix en dernier tour. C'était un choix de ne pas vouloir réparer l'aileron puisqu'il fallait qu'on soit les plus rapides possible avec nos deux arrêts au stand. On n'a pas choisi de mettre les médiums pour faire qu'un seul arrêt, mais c'était un choix. Et du coup, avec l'aileron abîmé, ben voilà, hein, ce qui devait arriver arriva. On a des soucis dans les parties un petit peu sinueuses où on perd énormément de temps. Et du coup, Sainz qui porte une attaque dans la zone de DRS, qui est logique, ça passe pour lui. Mais s'il reste dans nos échappements pour le dernier tour, qui est donc maintenant, ça risque d'être compliqué sur la ligne de départ arrivée. Pour nous, en tout cas, il va falloir s'accrocher et il va falloir résister à Sainz, hein, qui est revenu dans la DRS. Voir s'il ne pourrait pas faire une erreur et peut-être avoir des soucis aussi avec ses pneus, parce qu'il est aussi en super soft et il s'est arrêté pratiquement en même temps que nous. Donc peut-être une chance pour nous d'avoir Sainz qui se retrouve à l'essence plus 0,45, donc on n'a rien de trop. Désolé si des fois les commentaires s'entrechoquent un petit peu, hein, je voulais illustrer un petit peu les actions, parce que sinon ça allait être assez monotone. Veuillez m'en excuser. Allez, beaucoup de prudence dans ces derniers virages. C'est pas le moment de commettre l'irréparable. Dernière accélération vers la ligne de départ arrivée. Et je peux pas résister au retour de Sainz avec le DRS, malheureusement je suis obligé de le laisser passer, c'est dommage. Et ça sera la 9ème place, ça ferait quand même des points à l'arrivée. C'est ce qu'il faut se dire. C'est une place qui correspond en réalité au potentiel de la voiture, parce que c'est difficile de faire mieux avec une AS. Voilà, tout à fait. Donc ceux qui pensaient qu'au niveau difficulté, on n'était pas dans le temps, même si ma conduite est perfectible, que j'ai fait quelques erreurs, peut-être beaucoup, voilà, on arrive à la fin de la course avec une voiture où, à la place où elle devrait se trouver. Comme bien souvent, ils ont excellé. Je pense que peut-être qu'elle manque aussi peut-être un petit peu de développement au niveau de l'aéro. Donc on va s'y attaquer aussi le plus rapidement possible, en espérant qu'on ait le nombre de points nécessaires pour on espère obtenir bientôt pour lancer des améliorations comme des bras de suspension profilés pour réduire la traînée,
le manque ici, etc. La réduction du poids du châssis, c'est ce qui pourrait nous permettre dans les prochains Grands Prix d'avoir une voiture performante au niveau aéro et qui réduit la traînée, donc la vitesse de pointe, parce que l'amélioration qu'on a fait sur le moteur et le carburant, c'est bien, mais elle ne suffit pas pour l'instant. À l'arrivée, nous avons Lewis Hamilton qui s'est imposé devant Sébastien Vettel et Nico Rosberg. On retrouve Kimi Räikkönen à la 4ème place, Valtteri Bottas 5ème, Felipe Massa 6ème. Toro Rosso qui a marqué des gros points encore, hein, avec la 7ème et la 8ème place pour les deux coéquipiers de l'écurie petite sœur de Red Bull. Ensuite, je finis à la 9ème place. Derrière, on retrouve Sergio Perez, Nico Hülkenberg, Rio Arianto en 12ème place, Jenson Button 13ème, Marcus Ericsson 14ème, Felipe Nasser 15ème, Julian Palmer 16ème, Kevin Magnussen 17ème, Verstappen 18ème, Fernando Alonso 19ème, Daniel Ricciardo qui a abandonné suite à une panne moteur. Pascal Wehrlein aussi, on a vu, hein, son moteur qui est parti en fumée dans la ligne droite de départ arrivée, et Romain Grosjean qui a été victime d'un accrochage sur cette même ligne droite alors qu'il avait plus d'aileron avant. Voilà pour le résultat de ce Grand Prix. Ce qui nous donne au championnat du monde des pilotes, Lewis Hamilton en tête devant Sébastien Vettel, Nico Rosberg à la 3ème place, Max Verstappen 4ème, Kimi Räikkönen remonte à la 5ème place pour laisser... Enfin, Valtteri Bottas laisse sa 5ème place pour le profit de Kimi Räikkönen. Derrière, Ricciardo et Massa sont toujours 7ème et 8ème. Je remonte à la 9ème place et je passe Felipe Nasser. Derrière, on retrouve Carlos Sainz aussi qui fait une belle remontée. Puis Marcus Ericsson, Daniil Kvyat également, Magnussen 14e, Wehrlein 15e, Sergio Perez 16e, 17e Hülkenberg, 18e Fernando Alonso, 19e Button, Grosjean à la 20e place, suivi de Palmer et Arianto. Au championnat du monde des constructeurs, Mercedes toujours devant Ferrari avec 74 points d'écart, derrière un beaucoup plus loin on retrouve Red Bull, puis à une vingtaine de points Williams. Sauber est pour l'instant 5ème avec 244 points, mais ils sont talonnés à un point près par les Toro Rosso, et puis derrière on est à 11 points nous de cette 5ème place, hein, si on regarde. Derrière par contre on a les Renault qui sont pas très loin à 263 points, puis les deux écuries Force India et McLaren qui sont à égalité, et enfin Manor. Donc ce qui nous donne en bilan comptable à la fin de ce week-end pour les points d'expérience et les points de R&D, on va voir ça tout de suite. Alors malheureusement on n'a pas tenu les objectifs de l'écurie, hein, qui était de finir 8ème à l'arrivée, et donc on arrivera à la fin de ce week-end avec 1405 points de ressources. Bon, voilà. Au niveau du face-à-face du coéquipier, enfin du rival, bah c'est on va dire une écrasante victoire, hein, puisque il a quand même eu le secteur 3 le plus rapide, ainsi qu'aucune pénalité aussi, mais bon, voilà. On est quand même mieux placé que lui. Au bilan aussi de l'écurie par rapport à l'équipe, donc j'ai pas obtenu mon objectif, mais j'ai devancé Romain Grosjean qui a abandonné. Et j'ai fini 14ème ou mieux, donc voilà. Bilan satisfaisant pour ce week-end. Et donc mon score, un point au niveau des points de mode carrière, donc j'ai zappé un petit peu trop vite. J'en suis désolé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve sur le prochain Grand Prix pour la suite de nos aventures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous, ciao ciao.